c'est un résultat décevant. Ça. On espérait mieux, donc forcément il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions, surtout qu'on pensait avoir fait le plus dur après avoir ouvert le score. Mais voilà, c'est une équipe qui a une confiance en face et qui a très bien joué, qui aujourd'hui revient ex aequo avec nous. Donc forcément, il y a beaucoup de déceptions ce soir. Moi, je pense qu'on a eu beaucoup de déchets techniques. Dans notre animation offensive, on a perdu énormément de ballons. On prend les deux buts sur deux pertes de balles. Et donc forcément voilà, ça nous pénalise. Maintenant, il reste 13 matchs. Il faut regarder de l'avant, il faut se projeter vite sur le match de Guingamp. Et ça va être chaque match va être un combat parce que aujourd'hui on est ex aequo avec le premier relégable. Donc la situation elle est difficile. Mais à nous de trouver des ressources mentales qu'on a eues sur certains matchs pour inverser la tendance et essayer de créer une série, parce que c'est ce qu'on n'arrive pas à faire et c'est ce qui nous permettra de nous échapper de ce championnat. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est très dur, c'est cruel même, parce que voilà, c'était Dunkerque, ils étaient derrière nous, maintenant ils nous ont recollés. On savait l'importance de ce match. Je ne peux pas dire qu'on a tout donné, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'erreurs techniques qui nous a pas permis de livrer une bonne performance. Donc aujourd'hui c'est très très dur. Voilà. On le sait, on n'enchaîne pas de deux victoires d'affilée et en Ligue 2 faut faire des séries. Mais bon, voilà, on va pas lâcher, c'est notre boulot, faut repartir de l'avant dès lundi. On a un gros match à Guingamp, il va falloir prendre des points. Et maintenant voilà, on est en opération maintien.